tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, je suis à fond dans la patrouille, donc j'ai les mains comme de la patrouille quoi. Alors, plein de petites choses aujourd'hui. Alors déjà, j'ai un courrier que j'ai depuis beaucoup trop longtemps et que je n'ai pas remercié. Ma petite Christelle, connue sur Instagram sous le nom de Miss Scrap 89, qui m'a envoyé une superbe carte pour le 1er mai. Voilà, donc il y a, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai reçue. Je sais même plus si je t'ai envoyé un message. Si je l'ai pas fait, je m'en excuse. Sincèrement. Je pourrais même être fouettée en place publique. Non mais je sais plus où j'en suis dans mes vidéos. J'essaye de m'avancer, mais ça marche pas et je suis obligée de recommencer. Si bien que je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, enfin bref, avec ma tête de linotte. Donc très jolie carte hein. Sur un fond craft un peu moucheté, papier déchiré, vieilli. Ancré, tamponné fausse couture avec des tampons très flaquettes de feuilles, des coupes de papillons montées sur un petit fil, des petits sentiments. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Petit bonheur du jour, 1er mai 2019 et bonheur. Donc là, on a alors. Je crois que c'était une découpe de chez Action. Et donc, ben voilà, comment l'utiliser pour faire des clochettes. Découpe de feuillage. Un bout de partition. Enfin, elle est vraiment très très jolie. Coller un petit tag. Elle est superbe. Donc à l'intérieur, j'ai mon petit mot. Et elle a également glissé l'ATC qui va avec. Donc coincé avec des coins. Coincé avec des coins. Coin, coin. Voilà. Vraiment superbe. Je te remercie encore, ma belle. Donc, Miss Scrap 89. Si j'y pense et que ça va jusqu'au bout de ma vidéo, je mettrai. Donc c'est pas, elle a pas de chaîne, hein. C'est simplement Instagram. Voilà. Mille bisous, ma belle. Et t'inquiète pas pour ce que tu me dis à l'intérieur. Chacun fait comme il peut. Alors, ensuite, ce matin, petit courrier, enfin, belle enveloppe de ma fanfan. Alors, ma fanfan, ma fille, superbe enveloppe, où elle m'a collé des stickers puffy ou des puffy stickers, enfin, vous mettez ça dans le sens que vous voulez, des petits cœurs, des petites étoiles, des couronnes, des... Enfin, c'est éclaté, quoi. Elle m'a mis un arc-en-ciel, un cœur qui s'envole. Voilà. Alors, ma petite fanfan, qu'est-ce que tu m'as mis? Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Encore blindé, hein? Oh là 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 là. D'accord. Il n'y en a plus. Alors, la vilaine m'a fait une superbe enveloppe. Des découpes attachées avec des licornes.
Voilà. Donc nous avons des découpes de 2 feuillages. Ah ouais, ils sont beaucoup plus petits que les miens. Nettement plus petit, mais c'est sympa aussi, j'aime bien. Petit bocal. Ah non, c'est ceux qui vont. Ah d'accord, oui. Ah, ils sont si petits que ça. Ah, je voyais un peu plus grand, tu vois. Donc en fait, c'est pour ceux qui connaissent. C'est le dies qui reprend le petit pot, le bocal avec les plantes. Alors, on connaît tous de chez Tibbles. Mais ce ne sont pas les vrais, dirons-nous. Merci ma belle. Mais ouais, super. Donc là, cette fois, nous avons une licorne bleue avec des découpes de papillons. Des découpes de papillons. Des petits oiseaux. Oh là, il est beau. Elle a colorisé. De fleurs. Pareil. Les roses qu'elle a découpées. La patience, hein. Ça c'est détouré à la main. Superbe. Merci ma belle. Donc licorne bleue. Ensuite nous avons des découpes avec des licornes roses. Bon, je ne vais pas tout vous sortir, mais il y a des superbes. Non, je ne ferai aucun commentaire sur tes licornes. Mais elles collent. Alors, dans un patouille magnifique de ma enfant. Alors, une découpe napperon. Superbe. Magnifique ton dice. Nous avons deux autres. Ah non, c'est pas de la patouille à toi ça. Si? Non. Je sais pas. Non, on dirait des. Je sais pas, tu me diras. Mais je pense pas que ce soit de la patouille. Je peux mon café avant qu'il soit froid, parce que c'est pas bon. Déjà là, il est limite. Oh, alors ça j'adore. Magnifique. Donc, superbe découpe. Donc, en blanc, en noir. Pour faire en mix média, en fermeture, enfin, décoration, plier sur la tranche d'un livre pour faire la charnière. Oh, magnifique, super beau. Ah, j'adore. Là, oh, t'en as des chouettes là, t'en as rentré des boules, des dies.
superbes citrouilles qui sont ajourées. Ah ouais, elles sont chouettes. Donc, une petite étiquette. Celui-là, je le laisse, la fleur steampunk. Une jolie couronne. Ah, ça, c'est bien aussi, ça. Quadrillage. Ah ouais. Ah, ils sont vraiment sympas, ce que tu as ta rentrée, là. Donc là, un ornement. Un apron, une fleur. Enfin, ça peut faire un superbe pochoir. Là, un magnifique cadre. Chouette, hein. Et là, c'est une découpe multiple que vous pouvez utiliser de multiples façons. Vraiment superbe tes découpes. Jolie tes licornes. Ah, mais elle m'énerve celle-là. Tu l'as mal collée. Je vais finir par la déchirer. Ce serait dommage. Je serais triste. Tiens, pour la peine, je vais l'enlever. Puis toi aussi. Maintenant, parce qu'après, on va appeler la SPL, la Société Protectrice des Licornes. Parce que je maltraite les licornes. N'importe quoi. Vous allez me rendre folle avec vos licornes. Donc voilà. Avec tous les changements de météo, de pluie, de beau, de. J'ai des douleurs dans les doigts, je vous explique même pas. Alors là, avec la licorne rose, nous avons des découpes de feuilles, fleurs. M'a fait du coloriage. On a toutes les couleurs, toutes les formes. Oh, elles sont belles. On a les grandes fleurs. Oh, elles sont belles. Toujours de chez Timols. Hein. Ah, ah. Donc là, licorne blanche. Tu les as achetées exprès pour moi ou ça traînait dans un coin depuis des années? Je suis sûre que tu les as achetées exprès en plus. T'en es capable, hein? Je le sais, t'en es capable. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a une chaîne. Des flocons. Ils sont superbes. Magnifique horloge. Là, ce sont des passants. De ceinture. Magnifique cadre. Une lampe. Des cendres de fleurs. J'ai un tampon qui ressemble beaucoup à ça, qui vient de chez Lavinia. Superbe. Là, le corset. Un masque. Et le vélocipède. Je l'ai rentré il n'y a pas longtemps aussi. Celui-là, il est beau. Vraiment chouette, hein. En plus on peut l'enlever jusqu'au bout et ça nous en fait deux. Ils sont superbes tes découpes. Et alors là, qu'est ce que nous avons? Donc là, nous avons des nous avons des cupcakes et une licorne violette. Là, ma chérie, j'ai des cupcakes. Alors là, on a un gros osio. Il est gros.
Là, on... Oh, génial. Là, ce sont des découpes de... tâches de café. Un gros osio. Bon, il est un peu plus petit que l'autre, mais déjà pas mal gros quand même. Les mêmes tâches, mais en marron. Là, on a un nœud. J'adore celui-là. Je sais pas où elle va me chercher tout ça. Pourtant, j'en passe des heures hein, sur copain tonton Ali. Regardez-moi ça, l'oiseau. Oh, il est magnifique. J'ai jamais vu celui-là. Magnifique étiquette. Et là, carrément, une base de cartes. Ça peut être vraiment superbe. Pour aller dans les junk. Superbe. Un petit nœud aussi, très joli. Merci ma belle. Bon, mais il y a deux, trois... Bon, je remettrai ça après. Non, je vais pas mettre maintenant parce que je ne voudrais pas perdre les découpes. J'ai plein de trucs à vous montrer. À combien j'en suis déjà, 15 minutes de blabla à vous montrer les découpes. Bon, je crois que je ferai deux vidéos parce que je ne pourrais pas tout passer. Parce que j'ai pas fini. Je s'est lâché encore ma fanfan. Hein. Sont vraiment superbes tes découpes. J'adore. Alors ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons donc? Une licorne blanche. Oula, oula. Donc là, on a des aiguilles. Oh, magnifique. Donc une énorme horloge. Bon, je ne vous les sors pas, mais à l'intérieur, il y a les aiguilles qui vont avec. Magnifique. Ah mais je kiffe. Ah mais ça aussi je kiffe. Une découpe de grillage. Des petites fleurs, des papillons, des... Ah, je l'ai. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas ce que ça représente. Ah si, un escalier. Je le vois mieux à l'envers en fait. Ah celui-là, je l'ai aussi depuis longtemps. Mais c'est tellement fin à sortir que c'est la vraie galère. Mais il est magnifique. Là, on a, comment ça s'appelle, la rose des vents. Superbe. Là, je sais pas avec quoi ça va, mais ça doit aller avec quelque chose. Il doit avoir des oiseaux qui vont dessus. Voilà, ça doit être c'est des fruits. C'est une barre à fruits. Ils sont chouettes avec les petites découpes de papillons là. De fleurs. Oh, c'est fin. C'est vraiment beau. Noir sur noir, ça le fait pas. Non, ici des coupes, ah, elles sont vraiment très très fines. Excusez-moi. Ah, n'hésitez pas à m'en remettre. Alors là, nous avons une découpe trombone avec un petit cœur. Celle-là, je l'ai. Oh, vraiment chouette tes découpes là. Le temps que tu as passé. Encore un trombone, je disais, celui-là.
Je les utilise jamais en plus. Les oiseaux, les papillons. Ils sont chouettes, hein. Alors, ils sont fins. Je te remercie pour tout ce temps-là que tu passes à me faire les découpes. Vraiment super. Que je fasse une boîte spéciale fanfan, spéciale une copine avec qui on correspond régulièrement. Bon, là je me souviendrai, je vais les laisser dans les pochettes, comme ça je me souviendrai que c'est toi avec la belle licorne. Merci ma belle. Alors là, nous avons... Ah, pas de licorne, j'ai l'arc-en-ciel. Alors, les découpes avec... Donc là, c'est les... trop marrant, oh, il est beau. Donc là, elle m'a fait des fonds à elle, avec un tamponnage, une découpe. Ça, une grosse étiquette. Il est trop beau. Et oh, il est beau, c'est sûr. Chouette, hein. Et alors, waouh. Donc là, elle a colorisé les papillons, les découpes papillons. Oh, ils sont beaux. Ah ouais, non, mais ça, c'est obligé, hein. C'est toujours Timols, hein. Ouais, ils sont chouettes, hein. C'est chouette aussi que coloriser comme ça. Je ne sais pas, moi je prends ma, je fais des pchites, je colle ma feuille dessus et je retire et je voilà, ça me fait des fonds. Coloriser, je ne sais pas. Je vais savoir mettre en peinture, je vais savoir mettre... Vous allez me dire, mais pourquoi je n'arrive pas? Eh ben, c'est comme ça, je n'y arrive pas. Voilà. Voilà, ça, je sais faire. Ça, c'est ce que j'ai fait hier, ça. Je vous explique. Bon, alors, dans les découpes, j'ai fait le tour. Merci tout plein, ma belle. Ah non, il y en a encore. Alors là, c'est tout un tas de grosses feuilles, des petites feuilles, des grandes feuilles. C'est super, je les détaille pas. Ah non, non. Oh là là là. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Alors là, j'ai 15 000 ATC. Comment qu'elle m'a monté ça? Me fait des blagues. Alors, ah, tout ça pour pas que je voie tout de suite les ATC. Non mais, t'es tordu là. Si je devais faire enfin te rendre au compte-gouttes tous ces ATC que tu peux me faire, je n'y arriverai jamais. Puis alors elles sont toutes une originalité. Je pourrais remplir un mur avec les ATC de Françoise, tellement elles sont superbes. Et j'ai un cadre derrière moi, là. Où je mets toutes les ATC
que vous m'envoyez. Alors, un corbeau à l'école. Oh, elles sont belles. Oui. Donc, embossage. Oui, embossage. M'a mis des coins métalliques, un fond patouille, de la dentelle. Un chipboard die cut, je sais plus comment ça s'appelle, la différence entre les deux, enfin d'un oiseau sur une page d'écriture. Superbe. Et c'est là 1 sur 1. Il n'y a qu'au mois, nananère. Elles sont belles. Merci ma belle. Donc là, c'est féerique. Ah, superbe. C'est, vous savez, en ce moment, ils font, enfin, en ce moment, je sais pas s'ils y sont toujours, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée chez Action. Les papiers photos à texture. Alors là, c'est tissu. Donc, fond patouille, tamponnage, une petite fée. Superbe. Alors ça, j'adore. Alors là, nous avons papillon de lumière. Oh, chouette. Donc, un fond embossé, patouillé, découpe de papillon. Alors, je ne sais pas dans quoi tu l'as fait, parce que vu toutes les nuances, comment tu as fait ça? Il va falloir que tu m'expliques, parce que j'ai quand même bien l'impression que c'est toi qui l'as fait. Un engrenage métallique et capsule altérée avec une horloge à l'intérieur. T'es doué hein, pour les ATC quand même. Hein. Elles sont trop belles. Hein. Elle est trop bien celle-là. J'adore. Bricole. C'est que tu vas me chercher tous ces noms aussi. T'es pas toute seule dans ta tête, hein, Fanfan. Je te l'ai déjà dit. Hein. Oh, excellent. Donc toujours les fonds à Fanfan. Donc là, elle a mis de la gaz, du pchit, du tamponnage, des découpes qu'elle a mis en sur des mousses 3D, tamponnées et embossées à chaud. Super. Donc là, c'est une oie qui est en train de se balader avec son parapluie. Ça fait un peu comme dans les Aristochats là. Ton 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 ton. Ouais, d'accord, je sais pas chanter. Enfin, vous voyez bien les deux oies anglaises. Super. Merci ma belle. Bon, il y a 4 de plus. Il va falloir que je renouvelle. Ma grille. J'ai plus de place. Et enfin, la carte. Peut-être dû commencer par un. Mais bon, tellement l'habitude qu'elle ne me mette pas de carte ou un post-it caché quelque part. Oh, elle est belle encore, celle-là aussi. Ah, ces tampons, là, je les ai. Oh, regardez. Salamandre. C'est les tamponnages de chez Caramel Studio. Magnifique. Un dragon métallique.
une fleur dentelle. Là, on a deux petites étiquettes superposées, montées en 3D avec des perles sur une base de carte craft vieillie ancrée. Alors, des quelques ATC récemment pondus. Parce que Fanfan me pond des ATC. Oui. Ah, le papillon est colorisé aux encres à alcool sur un papier doré action. Ah ouais? Ah mais ça rend super beau. Ah mais carrément. Doré action, feuille avec... Foil. J'ai aussi passé de la patine rouille sur le fond de l'ATC pour meuble. Comme elle me dit, prends ton temps pour les ATC, il n'y a pas le feu. Ben ça, non, il n'y a pas le feu, non. C'est clair. Hein. Mais bon, il va falloir que je m'y mette. Enfin, comme que je te rende. Hein. Magnifique. Hein. Ah, mais je savais bien que c'était toi qui avais fait ça. Alors, comment qu'elle a fait? Fanfan, fais-nous un tuto. Donc des feuilles dorées de chez Action avec les encres à alcool. Et ben ça rend superbe. Enfin, j'essaye ça. Je te remercie tout plein ma belle. Hein. C'était superbe. Je suis refaite là avec les avec toutes les découpes, elles sont magnifiques. Je les range là pour l'instant. Je referai une place sur mon tableau plus tard. Je te fais plein de gros bisous ainsi qu'à Christelle. Merci les filles pour vos envois. Plein de bisous et je tourne dans la foulée ce que j'ai fait, deux trois petites explications et puis à tout de suite. Bisous bisous.